C'est une affreuse dégradation de terrain qui s'est formée sous la route Kipushi au niveau de la société Somika. La gigantesque érosion coupe la voie en deux, plus de trafic, les maisons des alentours sont menacées d'écroulement. Ayant appris cette mauvaise nouvelle qui expose la vie de ses administrés de cette partie de la commune annexe, le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, y a effectué une descente l'avant-midi de ce lundi 15 mars 2021. Accueilli par toute la population des quartiers Inera et Daipen, victime de ce glissement de terrain, le numéro 1 du Haut-Katanga a reçu des explications sur la cause visible de cette érosion de la part tour à tour de son ministre provincial des infrastructures, Miguel Cachel-Katemb, et du bourgmestre de la commune annexe. Jacques Aboula a fait le tour de ces grands trous en pleine chaussée et évalué les dégâts qu'il a causés. Sur le champ, l'autorité provinciale a annoncé à la population des mesures d'urgence prises avant d'amorcer les grands travaux de construction du pont sur cet endroit de la route. Ma explication, ma technicien, ma Nikaburia. J'ai reçu les explications du technicien. La pression de l'eau a détruit les buses, c'est pourquoi la route est coupée en deux. La solution est de jeter un pont à cet endroit. Comme la saison des pluies est à la fin, nous allons faire un bon travail. Un pont moderne y sera construit avec des grands collecteurs pour que les maisons environnantes ne soient pas touchées. Il est maintenant ma collecteur. Ma collecteur, mon aîné, pour que il m'a danger. Réagissant au message de son autorité provinciale, la population a signifié à Jacques Aboulakatoué les raisons profondes de la dégradation de ce terrain. Monsieur le gouverneur, ce sont des sociétés qui ont profité des dernières grandes pluies pour vider leurs acides, qui sont arrivés jusqu'ici avec pression et ont abîmé la route. Oui, il y a deux sociétés de ces côtés. Le gouverneur de province, Jacques Aboula, a promis à ses administrés de convoquer toutes les parties pointées du doigt pour tirer au clair ce dossier.